إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من بوفيت كان الله سبحانه وتعالى في نوفاي زوتو لا تشفر الله سبحانه وتعالى في دون زوت ان كيتشيوس كابيل بان ميراكل. En arabe, ça même qu'on appelle mu'jiza. C'est quoi un mu'jiza? Ajaza ya'jizu veut dire incapable. C'est pour ça un grand imoun, on appelle lui rajouz. Parce qu'avec l'âge, il n'est plus capable de faire certaines choses. Un mu'jiza, un miracle, c'est une chose qui, dans l'islam, islam, lui oblige à venir sous l'ami un prophète. Un miracle, quand on dit un miracle, il y a un prophète là. De là, nous finissons de comprendre. Pour dire où est un miracle, si pas quand une coupe coco, nous allons paraître, si pas les enfants là, sous oreilles, être nous là, pas un miracle tout ça là. Hein? Donc, il n'y a pas de miracle tout cela. Parce qu'un miracle est obligé de venir sous l'ami un prophète. Déjà, il faudrait que personne ne soit capable de réfuter lui. Pas capable de dire que ça. Et il y a tel, tel défaut là-dedans. Troisième, il faudrait qu'il vienne en face de celui qui ne peut pas accepter l'islam. Nous prenons l'exemple aux trois quelque chose là. Que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dans Makkah, ben on vient avec lui, il dit, oh Muhammad, tu es un prophète, donne-nous un signe. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lève sur la même montre de la lune. La lune a fan devant eux. Je tout bégayé avec moi. La lune a fan. Il passe ce qu'il y a un mort là, il se sépare. Je trouve sa fente là tout, après il est recollé. Ça appelle ça un miracle. Parce qu'il sous la main de prophète qui s'en est arrivé là, oui non. Qui s'en est capable de dire sa fausse là. Qui s'en a en même temps pégété. Donc, une fausse miracle. D'ailleurs, c'est impossible à se dire pour nous attendre un miracle. Donc, dans ce miracle là, mais non, il y a un miracle pour raconter, c'est-à-dire. Excepté, prend depuis la fin, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et ben prophète qui vient avant. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam supplie grand miracle, c'est le Coran. Supplie grand miracle, c'est le Coran. Donc, quand on peut dire supplie grand miracle, il y a les autres miracles qui ne prennent place. Il y a quelque chose qui est incroyable. Qui, quand du monde était à l'époque là, irréfutable. Mais parmi la demande, frère, il y a quelque chose qui finit d'arriver, qui ne prend place dans la vie pour montrer nous ce prophétie en même temps que ce miracle. L'exemple, quand il est dans Madina, il dit avec Ben Sahaba, il y a une rose dans Makka, à chaque fois qu'il m'occupe pas ce côté, je me fais moi sa larme. Rose. Il dit, ben là, et si je te l'ai, moi, je ne vais pas me montrer cette rose-là. Quand il y avait le rose, un dimon nous passe au fait, il ne va pas répondre, c'est quand il y a une statue. Mais je vais redire, il y a un rose. Parce qu'il ne rose pas causé. Mais c'est moi, ça rose-là, quand on sort, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il y avait sa larme. Ça va un miracle. Et pour lui, il y a un miracle, chers frères. C'est un BAG. C'est un berger normal, il y a même ce mouton.
c'est son capital, son travail. Il faisait veilleux. Elle le loue, vini cap, en là-dedans. Il est resté y aller. Bien, c'est la galoupée, aller. Comment il est arrivé pour défendre son mouton? Pas mal d'histoire, fait ou pas dormir de vendredi là. Hein? Le loup là, lorsque sa mouton là, il est baisé là. Il dit, est-ce qu'il te prend pèsement, mon skit, chose qui Allah fait halal pour moi? Nous prenons second lieu. Vraiment, pour le loup, se manger, c'est quoi? Il y a besoin de cap li amener, il dit halal pour lui. Premier, ça qui peut causer là. Le loup là qui peut causer. Bézir est en place. Vous voyez que tu as le loup qui est où? Pas ça, Biron Rouge, non, il est là. Il est en place. Tant qu'il y a le loup là, j'ai dit. Et si tu me trouves drôle, mauvais cause, toi, le drap se bouge sur la tête. Quand il y a qui panique, il était là. Et le loup devant lui, puisque le loup est cause, il dit. Et j'ai dit, comment tu as trouvé, moi, mauvais cause, drôle? Qui dans vallée, Maka, parce que je suis parti dans Maka, et dans une personne qui ne vient qui pas qu'on lire, lui peut raconter l'histoire, ban qui ne vient avant lui. Il dit ça plus drôle qui m'a causé. Ça veut dire là qui tout. Il fait un voyage, combien de semaines, il y a le Maka. Il arrive là-bas, il redit que ça n'a pas montré le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. L'invigné à Shahada, le roi de Jaliki n'est arrivé. Les lunes à Voïto. En tant qu'un prophète, il y a un wahi, oui, non. Mais ça qui est avec nous depuis ça, l'histoire, là, chers frères, qui plie drôle? Un le loup causé? Ou bien une personne qui pas qu'on lire raconte tout événement le passé? Ça qui est le loup, tu me trouves drôle, mauvais causé? Ben, il y a plus drôle qui s'appelle passer dans ma cas. Donc de là, nous comprenons que nous liés de Coran, nous trouvons mention de l'histoire de prophète avant. Oui, il y a une leçon là-dedans, qui pose une question, mais c'est moi, ce n'est pas juste pour faire question, puis ça. Chaque étape, nous prenons l'exemple de l'histoire d'Adam a.s. Adam a.s. sur l'histoire, c'est sept fois mentionné de Coran. Mais seulement, il ne faudrait pas nous penser tous les sept fois. Répétition, jamais. Première place, il mentionné dans Surat al-Baqarah. Cause concernant, les rentre dans Jannah, je n'ai pas coussé avec pied. De Al-Imran, c'est dit ce nom. Dans Surat al-Nisa, pas cause les. Dans Surat al-Ma'ida, cause concernant ceux des garçons. Un tout l'autre. Dans Surat al-An'am, c'est dit ce nom. Dans Surat al-A'raf, c'est création Adam alayhi salam, quand il dit Iblis fait six d'aller refuser. Non, les mêmes comme ça veut dire, chaque étape qui mentionnait, pas une répétition de ce qui est là, et une quelque chose qui vient en plus, une information qui n'a pas cité auparavant. Donc ça, c'est une étape qui vient. Lorsque sallallahu alayhi wa sallam de Makka, les mondes le connaissent sa femme, il invite ce chef tribu. Quand il peut inviter les autres, le premier du monde qui ramasse dit ça, il faut des offres que ça n'a. C'est ça, tiens. Abou Lahab. Il dit qu'il a cause ça, tu l'appelles nous, là. Un sourd de ça. Ok. Mais pour un moment, il y a sa prophète là devant nous. Il commence une petite chose pour du bien ce peuple. Premier du monde qui vient bord sur la route, ce propre tchatcha. Moi, les gens, imaginez-nous demain où commence un travail. Ou fait des mondes patentes. Si vous ne créez qu'une lettre pour ne pas gagner patente ou tchatcha. Comment sont-ils? Demain, vous avez le teu. Ou bien la garage, vous connaissez, vous mettre le chemin. Ou trouvez un avenir métal dans une zone. Comment? Non, mais si vous ne mettez métal dans une zone, vous avez un tchatcha. Comment sont-ils? Nous avons un travail là. Nous avons un akhirat. Premier du monde qui vient de mon chemin, mon tchatcha.
Dans ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala révèle sur Yusuf, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Oh Muhammad, tu veux un problème avec toi, toi? Avant toi, il n'y a pas de problème avec ton propre frère. Vous comprenez ça, l'histoire-là, comment vient là? Demain, on dirait qu'on peut trouver dans une situation que propre frère, propre sœur, assis sur Yusuf avec tadabour, avec méditation. Qui se mon frère pas de faire? Or, tout le Yusuf, nous tous les. Écoutez Yusuf qui l'a dit, hein? Il n'y a pas de 7 ans. Il peut faire plan pour tout le. Qui est-ce qu'il fait les autres comme ça? Mais quel problème aujourd'hui nous avec nos frères, nos sœurs? Si ça peut causer, mais l'India tout, toi, jamais. Comment va l'histoire là, comment descendre là? Ça l'objectif qui fait Allah subhanahu wa ta'ala amène l'histoire. Comment nous connaît dans la fin sur Rahoud, qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, tout ça va t'il qu'à Amba et Rusul. Ça va l'histoire des prophètes avant toi là, au Muhammad. Man nous habite ou bihi fouadak. Nous pouvons descendre ça pour tenir tous les qui est ferme. Donc, quand nous tenons ça dans l'histoire là, il y a un de bon moyen pour renforcer nos iman. Parce que c'est, si c'était le cas pour le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comment ça nous a plus profite nous? Nous avons dit une continuation de ce qui nous fait à Maghrib, parce que l'imam, tu as 6 heures que l'on là-bas, il nous amène, il est de notre façon cette fois là. De la manche de chaque qui nous entendait. Surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf formé par Surah. Pareil comme Surah Hud, pareil comme Surah 26, Surah Shuara, quand mentionne ban prophète, d'autres histoires, un après l'autre. Allah subhanahu wa ta'ala dit nous, wa ila madiana akhahum shu'aiba. Au fait, ce qui nous tient, nous dit frère, c'est Ka'allam yarnaw fiha. C'est de sa surah même qui mentionne ça là. Comment dire, Maghrib nous m'en fait à bout là. Mais guide Allah subhanahu wa ta'ala comment prendre yastir. Ben là, qu'est-ce que tu peux faire? Le peuple de Shuaïm. Pas que 10 sur l'histoire là. Guide le Rasul sallallahu alayhi wa sallam de Makka. Surah Al-A'raf fait révéler vers lui. Un surah Makka. Oh Muhammad, qui les sont là dedans là? وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَوْهُمْ شُعَيْبَ Vers Madian. Madian, c'est la ville. C'est ce qu'a aujourd'hui la ville de l'Arabie. Devinez-vous, la ville de l'Arabie. Mais seulement la place. Il y a que la même. Zot frère Shuaib. Appelle-lui frère parce qu'il grandit ensemble avec Zot. Allah subhanahu wa ta'ala qui dit à nous qui est réel, Zot, tu peux faire. Ce type est coquin le balance. Connais si nous prenons l'île, si ce coquin le balance, nous brisons la même, pas bon coquin le balance. En deux mots, PFN nous comprend, balance c'est quoi? C'est un public avec moi, je besoin de donner ce droit. Moi, je vais donner ce droit contre ces bizarres. Je vais triguer. Ça qui vient là. Veut dire pour une situation que demain, il est possible de ton travail, de ta profession ou bien dans la famille, d'un grand frère, ça ne vient de te l'armée pour faire la portage. Et n'a droit à les autres là. Ben là, tu peux triquer l'eau là. Les temps, il commence à dire aux autres, arrête ça. Et pourtant, il n'y a pas de manzot, aucun casse. Il continue à conseiller les autres. Maintenant, qu'il fait? Nous finissons de comprendre, maintenant, continuer. Mais seulement, bout qui nous prend de citer, qui, alhamdoulilah, quand l'imam il amène sa bout là, il est bien important. Connais Allah subhanahu wa ta'ala ce principe, quand il peut punir un djimoun, un peuple, il va pour punir plus que ça qu'il mérite. Ensuite, il peut punir d'après 6 sakis, tu es capable de tenir. Nous regrettons. Allah pour punir un peuple, c'est ça qu'il est capable de chiner. Ok. Mais pourtant, on dit comme ça, quand Allah m'y a naufi, un seul coup d'alain fini, je n'ai. Qui je cartine ça? Chef, Allah subhanahu wa ta'ala qui trace la loi la terre.
dans la ville Madian, à ce que nous bon, pas dire aussi où aller, hein? Bon, dire où qui fait là. Dans montagne, banan in casse, in fait toute la case là-dedans. Dans Madian. Connais pour nous casser un bloc. Connais quand ce nous peut prendre là. Si nous n'avons pas ça. À ce nous qui facilité, c'est pas grand de l'autre. Banan casse la main longtemps là. Chers frères. Ben là dans montagne, je te fais la case. Je te discute ça. Ou bien sur l'entrée, ou bien sur la colonne, ou bien sur le balcon, ou rentendant, ou bien sur l'assemble, ou bien tout. Seulement pas de rance des pieds en bas. Ils disent casser, ils tirent à béton là-dedans. Ils tirent sa rose là-dedans. Qui vous dit ça, peuple là? La fausse qui vous dit. Courage. Ce qu'a dit, c'est que la terre. À la casa de l'internet, tape Madian. Ou tout ça, la casa, c'est la même. Pas un. Pas un, Nena. Qui fait assez, nous j'ai parlé. Parce que quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tu fais un voyage, quand il est prêt pour passer là-bas, il dit avec Ban Sahaba, qui personne pour mes yeux ne pas arrêter. Parce que c'est une place qui est malédiction à la fin des sannes. Fais vite tout parce que nous allons. C'est une place que tu es collé à Allah. Qui personne parmi nous pas arrêter et pas te dire. Fais vite tout parce que nous allons. C'est pour ça que beaucoup savants ne pas recommandent qu'ils nous visitent bonne place. Bonne place pareille. Mais seulement une personne qui n'a allé se filmer. Ou trouve ça. Veut dire, ben, nous autres courage, autre la force, comment est-ce? Mais ça dit, mon là devant vous. Ou mon zide calot. Il y a tout. Il y a tout, moussi qui ne pique les. Ou risser, mon rôde, mon zien bon tampon. Fini? Ben, qui peut casse rose dans montagne. Mais ça, restait qui, même tu es dans sa qualité courage là, pour Allah qui te était seulement. Tu vas venir devant là. Pour Allah subhanahu wa ta'ala descend une qualité punition qui fait les autres almet. Faudrait que je ne compte les autres la force, je ne crois personne pas pour capable. C'est même qui Allah attend avec un dimon. Il y a tant quoi? Il y a tant à quel niveau te sens-tu toi follow la terre? À quel niveau te sens-tu qui va dire Allah pas pour capable fait toi non y. Quand tu arrives à bout là, tu finis cette limite à ce terre. Tu finis cette limite. Et ça, c'est simple, ça. Quelque chose qui est simple. Comment est-ce que nous sommes capables de connaître nous-mêmes, nous qui nous peut, on dirait devant Allah, nous peut venir dire arrogant, devant Allah, devant Allah. Quand on dit arrogant, ce n'est pas, on dirait, quelqu'un qui vient me dire, c'est cela ou comment, non. Un dimoun arrogant, c'est pas un dimoun arrogant, c'est un qui ken qui paraît s'y mettre sur la tête le chichda. C'est un dimoun arrogant. Dans le din islam, un arrogant, oui, il n'a pas sur casse, mais plus grand arrogant là, c'est lui qui permet sur la tête le chichda devant Allah. Bien plus grand arrogant. Iblis, il vient arrogant quand il refuse de faire chichda devant Adam. Devant un insan. À ce que Dieu refuse de faire devant Allah, qui est venu. Donc, quand une personne trouve lui, peut venir lui pour lui faire un amas, là, il connaît dans quelle direction il peut aller à l'os. Nous retournons à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala permet de nous tendre de namaz et chat. C'est l'histoire de peuple Shuaib. Qui lui fait rappel ce peuple. Concernant droit bandimoun, Patrick et Lola. Quand il arrive, c'est un moment que Dieu commence à sentir les autres vraiment faux. Au Shuaib, commence à dire ben les autres, arrête écoute-li. Ban qui faut, quand l'Allemagne là-haut, ban qui faut parmi eux, dis arrête écoute-li. Parce que c'est faux. Azodi penam Allemagne là-haut, Azodi n'a pas honte. Azodi ou bien menace.
Azodi pour téléphone nous pour avoir un message pour menacer. Avec ça, tous les temps, il y a des principes dignes. Quand nous comprenons le principe la vie, comment elle était, quand tu peux dire arrête coquin droit du monde, arrête coquin, suivre, tu peux obliger à gagner ça, oui non. Tu peux obliger à gagner ça. Parce que le prophète, il gagne ça. Le principe là, pareil. Du monde là, sans zé. Titre là, sans zé. Longtemps, tu appelles les autres, du monde faux. Aujourd'hui, tu peux avoir les autres, bande ça. Aujourd'hui, tu peux avoir les autres, pas qui non groupe, soit qui était. Mais réaction là, il peut pareil. Mais seulement les dire, Rabbanafta Bainana. Malgré un prophète, il reste demande à Allah. Ou Allah, ouvrez un chemin entre moi avec Banna. Ouvrez. En d'autres mots, de même quand tu t'es ou l'eau la vérité, même quand c'est ça qui vous peut dire là où il a raison, mais une petite chose, jamais ou quitter, c'est droit. Jamais ou quitter droit. Oumar radiallahu anhu qui dit, il dit, je ne vais pas guetter moi, je ne suis pas allé répondre mon devoir. Je vais dire, une femme fait devoir aujourd'hui. Une femme fait devoir aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala qui dit à nous, Oudouni astadib lakum. Demande-moi mon répondre. Inna alladhina yastakbiruna an ribadati. Ban qui fait arrogant avec mon ribadat. Allah subhanahu wa ta'ala qui appelle devoir sur ribadat. Veut dire, c'est une arrogance quand quelqu'un ne parle pas, mais demande Allah. Une arrogance. Même quantité il faut là, je vais lui connaître Allah avec lui, mais il reste qu'il y a enseigné nous. Jamais de quitte doua. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, chef frère, aujourd'hui il est levé là. Nous le 17 Ramadan, deuxième Hijri. Qui date ça? Gravatin là, avant Fajr, là, avant Fajr, il est levé. 17e Ramadan avant Hijri. Veut dire, sorry. Deuxième Hijri. Qui était ça? La guerre Badr. Abu Bakr dit Allahu anhu levé. Il dit, je me trouve le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam là-bas, en bas pied. Il lève sur l'armée comme ça. C'est ce qui me trouve en bas sur les bras. Il veut respirer dehors. Pourtant, il y a un prophète. Pourtant, il y a un prophète qui était plus aimé par un prophète. Mais seulement, Douala, les bisins, oui, non. Nous bisins, frère. Douala, nous bisins, ça. Jamais ou senti ou, mon bienfait, non, oubliez tout ça là. Même quand vous faites finir faire namaz, vous faites finir faire hajj, vous faites respect Douala seulement. Respect. Ça qui j'aurais parlé, ça un peu montrer nous. Ça qui est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, montrer nous. Yacoub lève la main, il peut demander Allah joue Badr. Et pourtant, il fait victoire là. Il fait victoire. Quand est-ce qu'il fait victoire, frère? Je dis ça 313, Sahaba. 313. Il n'y a pas milliers. Le temps de la guerre Badr finit, il n'y a pas assisé. Il n'y a pas de Sahaba. Il dit, Ya Rasulallah, il trouve un dimoun de la guerre au moins. Il clair, c'est l'un sur le propre. Jamais il trouve lui encore seulement. Ni avant la guerre, on ne trouve ni après la guerre. Le prophète Gedli dit, c'est des bannes anges qui tuent la guerre ensemble aux autres de la guerre. On a dit, deux qui a mené. Pourtant, il y a un prophète d'Allah. Mais seulement, même quand tu es ribadat, jamais tu quittes ça qui tient qu'il y a deux. Nous gagnons ça depuis Shuraïb, nous gagnons ça depuis Ibrahim alayhi salam, nous gagnons ça depuis nous alayhi salam, Pévini même. Nous, allons salam, pas vrai? Il va demander Allah subhanahu wa ta'ala pour aider. Ce n'est que quand fini par tout ça, cette étape-là, que Allah subhanahu wa ta'ala envoie ça, Hasuba, un seul divan, un divan. N'est fini passer, il prend tout, y aller. Allah subhanahu wa ta'ala, ce principe, tous les temps, chers frères, quand il y a mis une punition sur la terre, il quitte une trace. Pour dire qu'on réfléchit là. C'est le principal là. Il faut qu'il y ait une trace. Quand c'est tout fini là, ou vous travaillez trop beaucoup l'esprit, non. Il descend une punition là, il n'est qu'il jette la case, il y aller. Il ouvre la mer, c'est moi qui quitte Pharaon, il y aller. Il dit qu'il ramasse Pharaon, oui, non.
Est-ce qu'il y a ramassé Pharaon? Un principe, Allah subhanahu wa ta'ala va vous changer. Il faut qu'il y ait une petite chose qui vous fait toi réfléchir afin qu'il te connaisse vraiment quand Allah te rappelle. Pena? Pena sape. Donc, chers frères, une histoire qui vient du Coran finit pour une leçon de la vie de tous les jours. Si Allah subhanahu wa ta'ala permet nous, nous passons une histoire, pas en tant qu'une biographie. Je veux dire, tel prophète, il mort avec un tel, il a tant d'enfants. Ça, c'est biographie, on explique cela, qu'il est une fille familiale, non. Mais seulement dans la prophétie, qui va établir le passé, qui ça, il vient comme un réconfort pour le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et le Sahaba, sans aucun doute, ça peut venir plus réconfort pour nous. Et quand nous disons ça, qui nous fait entendre, c'est un bout de surah Al-A'raf, qui Allah subhanahu wa ta'ala piamine. Tout bon prophète et à la fin tout le temps il termine par le prophète Shuaib alayhi salam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.